Bonjour, aujourd'hui présentation d'un affûteur de chez Smith. Alors, on est sur un affûteur de poche qui mesure 8,2 cm de longueur, qui est en plastique et qui pèse 45 grammes. Alors, c'est un affûteur que j'ai acheté à la base évidemment pour affûter mes couteaux parce que je suis pas très doué en ce qui concerne l'affûtage. Donc, j'ai acheté cet affûteur pour un prix, je crois, de 15 euros à peu près. Et donc, qui me sert, qui maintenant me sert plus parce qu'en fait, je l'ai intégré à mon sac d'évacuation. Mais qui m'a servi à un moment donné pour affûter mes couteaux, pour affûter évidemment les émoutures, les tranchants en V. Par exemple, voilà, c'est couteau suisse, Spiderco, enfin tout ce genre de couteaux avec des tranchants en V simples. Vous avez plusieurs. Grade pour l'affûtage. Donc vous avez une tige diamant pour affûter les couteaux avec des serrations. Voilà, donc vous passez comme ça au niveau des serrations et puis vous venez faire des mouvements. Donc tige diamant, tige en carbure de tungstène pour dégrossir en fait les défauts. Et pour la finition, vous avez une tige céramique. C'est un très bon affûteur. Hein, voilà, à partir du moment où vous n'êtes pas trop regardant, on va dire, sur le résultat. Assez simple à mettre en œuvre. Hein, vous prenez votre affûteur, voilà, votre couteau, vous passez quelques coups. Sur le côté en carbure de tungstène. Voilà. Et ensuite, vous venez finir votre tranchant sur le côté en céramique. Voilà, donc ce qui fait que vous obtenez quand même un résultat satisfaisant. Voilà. Ça coupe. Vous voyez, ça accroche quand même. Voilà, donc à partir du moment où vous n'êtes pas trop doué comme moi en ce qui concerne l'affûtage, ça peut être une alternative assez intéressante. Voilà, sachant que ça pèse rien du tout. Vous pouvez le mettre, vous pouvez l'intégrer à votre DC, vous pouvez même le mettre à des clés. Sac d'évacuation, voilà, peu importe, ou le laisser à la cuisine. Voilà. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.